Bon les frères, la nouvelle saison 23 d'Apex, elle est insane ou totalement flop? Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bon d'ailleurs, petit spoil, mais à la fin de la vidéo, eh bien, je vais tranquillement dire un avis un tout petit peu plus qui va se rajouter par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie. Si Apex Legends, cette saison, va relancer le jeu ou pas du tout. Bref, je vais tout vous expliquer. Bon, on va commencer avec ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement la ranked. Est-ce qu'il y a un vrai changement par rapport à la ranked ou ça reste pareil, etc. Eh bien, écoutez, il y a quelques petites choses intéressantes, mais globalement, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a par exemple le nouvel ajout que lorsque tu lances une game, et bien tu vois tout simplement les rangs qu'il y a dans ta game. C'est à dire que par exemple tu peux voir qu'il y a 20 platines, 2 bronzes, 18 gold, bref peu importe. Et du coup ça rajoute un petit truc, franchement une fonctionnalité qui est vraiment très sympa, mais qui aurait pu être vraiment déjà là bien avant. Bon voilà, ça c'est plutôt quelque chose de globalement très positif, mais c'est pas non plus un truc oufissime. Concernant la rotation des maps, ben j'ai envie de vous dire pas ouf à la limite, pas ouf. On a World Edge, on a Lune Brisée et on a la map de zone d'orage, voilà. Donc on a World Edge, Lune Brisée, zone d'orage. Je me répète toujours, hein, ce serait une vraie ranked, comme en saison 13, etc. Ça me poserait aucun problème, je kifferais toutes les maps, mais vu que c'est une ranked mid, un peu bancale, etc. Je vous avoue que Lune Brisée, elle me saoule vraiment. Et Zone d'Orage, elle est ok, mais elle est un peu relou. Voilà. Vu que c'est des maps qui sont vraiment grandes, les gens ont tendance à faire n'importe quoi, les lobbies vite vite. Pour des joueurs mid ou haut niveau, bah, selon moi, c'est pas des games intéressantes. Après, à voir par la suite. Ils ont également fait un petit changement qui, pour moi, est totalement inutile et inintéressant. C'est qu'ils ont baissé de 10 le coût d'entrée pour tout le monde. Et j'ai pas de bêtises, donc ça sert simplement à ce que ça soit un tout petit peu plus simple du coup d'atteindre le gold, d'atteindre le platine, d'atteindre le diamant, d'atteindre le master. Voilà, on perd 10 en moins à chaque game. Donc en fait là c'est juste histoire de rendre un petit peu plus simple. Et globalement c'est la même ranked que la saison d'avant. Bon, on a parlé de la ranked, il n'y a pas grand chose à dire. Et du coup on va parler un petit peu très rapidement de la nouvelle méta et de ce que je pense. Du coup, si la saison, donc cette saison 23, va relancer Apex, est-ce que ça va devenir, oulala, le jeu, le prime du jeu, etc. Avant de faire un petit tour sur la méta, et bien du coup, et bien je vais parler du Karambit, qui est par contre, petite parenthèse, mais honnêtement, le nouvel Heirloom est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Il y a des variantes qui sont sympas, après, le prix, c'est vraiment cher pour ceux, pour être honnête, je sais pas si je vais l'acheter, mais vraiment, le Heirloom est vraiment stylé, et en plus de ça, l'event, pour le coup, moi, je trouve les skins vraiment, vraiment stylés. Un petit peu futuriste, un petit peu dark, noir, violet, rose, un petit peu, voilà, le thème. Personnellement, j'adore, et c'est aussi pour ça que peut-être j'ai envie de l'acheter. Après, honnêtement, déjà, je sais pas si je vais l'acheter, et même si je l'achète, je vais vraiment avoir tendance à conseiller de ne pas mettre de l'argent dans le jeu, parce que vous allez voir par la suite, par rapport à ce que je vais dire, comme j'ai dit, ça va compléter un peu la vidéo qu'il y a eu juste avant, qu'il y a eu quelques jours. Mais pour le coup, quand ils font des choses bien, il faut le dire. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très neutre, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime pas, vraiment, je peux cracher dessus, j'en ai rien à foutre. Mais quand des choses sont bien, vous avez vu, j'hésite pas à le dire, j'hésite pas à mettre en avant. Et selon moi, toujours valoriser quelque chose ou toujours dévaloriser quelque chose, et bien c'est justement la preuve d'être de mauvaise foi. Que quand tu valorises les choses bien, quand tu dévalorises un petit peu, enfin pas dévaloriser, mais quand tu critiques des choses qui sont un peu négatives, bah faut le dire également. Voilà, il n'y a pas de honte à dire quand des choses sont bien et quand des choses le sont un petit peu moins. Donc voilà, pour l'event et tout, moi je trouve ça plutôt cool, mais comme d'habitude, toujours quand même relativement très très cher. Et du coup vient maintenant du coup le hard buff des classes de soutien. Et là je vais vous dire un unpopular opinion, je sais pas trop ce que les autres pensent, mais en général le peu que j'ai entendu, tout le monde pense un petit peu de la même manière, mais je vais quand même appuyer sur 2-3 trucs avec mon expérience Predator, etc. Et que je trouve qu'il y a un gros potentiel et qu'il y a 2-3 choses qui sont un petit peu dommages. Donc on a eu pardon le rework pour commencer de l'offline où ses capacités ont quand même pas mal changé. Et honnêtement je trouve plutôt bien. Abusé, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait un grand changement, ça permet de résoudre des situations totalement différentes. Je le trouve plutôt bien, plutôt ok, et ça va rejoindre avec le hard buff de surtout JB, Newcastle et Laughline, et globalement la classe des soutiens. Donc voilà, il y a par exemple, Wild qui est un autre créateur de contenu, qui a fait une vidéo très détaillée et vraiment très bien sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir plus de détails. Mais globalement, la classe soutien a reçu des hard buffs et vraiment, c'est vraiment abusé. J'ai jamais vu ça. Ils ont eu 5 buffs vraiment forts. Le fait de craft, donc quand tu craftes les bannières, t'as une mobile directement. Le fait de res 25% plus vite. Le fait de pouvoir se res quand tu mets une cell, ça en met 2. Le fait que quand tu mets des cells, eh ben, tu te déplaces à la même vitesse que si tu marchais. Bref, c'est vraiment très, 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 très fort. Et beaucoup de gens ont tendance à dire que peut-être c'est mauvais parce que ça va être trop abusé, etc. Mais de mon avis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment
cool, mais... Il y a un mais. Alors déjà, petite parenthèse dans ce mais le fait que tout le monde puisse craft les bannières de ses coéquipiers lorsqu'on meurt, je trouve que c'est vraiment un énorme plus. Ça permet vraiment peut-être tout type de compo, c'est-à-dire qu'on peut jouer sans support, etc. Et en fait, ça change un petit peu tout simplement le principe du jeu. C'est un principe qui aurait pu être là depuis toujours et je trouve ça globalement très cool. Et pour en revenir aux classes de soutien, ce hard buff, selon moi, en fait, il est même pas trop fort. Il est très fort, mais il est pas trop fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment expliquer ça? En fait, je trouve que c'est bien qu'il y ait des hard buffs comme ça, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment bien équilibré. On a souvent eu tendance dans Apex Legends à avoir des caractères qui sont pas inutiles, mais c'est trop léger. En fait, ils faisaient les choses trop légèrement. Et le problème, c'est qu'en fait, ils faisaient les choses trop légèrement, et d'un coup, boum, un truc trop fort. Et là, trop légèrement, un truc trop fort. Et là, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'en fait, ils vont buff tout un truc trop fort. Enfin, c'est pas trop fort, mais très fort. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que Apex Legends, c'est... Il y a eu déjà un petit peu de temps en temps, mais c'est un jeu qui pourrait avoir, entre guillemets, un jeu qui n'a pas de méta. D'ailleurs, on le voit en compétition. Alors certes, parfois, il y a beaucoup de crypto et beaucoup de machins, mais en soi, en compétition, tu peux tout jouer. C'est-à-dire que même Royce, qui est un des pires persos pour Ranked, en soi, peut être joué en compétition parce qu'elle amène à certaines situations, etc. Et je trouve que c'est dommage que dans Apex Legends, eh bien, ils ne mettent pas le point sur ça et qu'ils ne rendent pas simplement le fait de pouvoir jouer toutes les méta du jeu, en fait. Et c'est pour, donc du coup qu'ils hard buff, qu'ils hard nef, etc. Alors que franchement, il n'y a pas lieu d'être. Donc selon moi, voilà, pour résumer un petit peu, l'art de buff des caractères soutien n'est pas... pas abusé, en soi il est très bien et je trouve que ça rend le jeu, ça redonne du renouveau au jeu, ça donne de la vraie utilité aux classes soutien, les personnages soutien sont très forts. Petite parenthèse selon moi avec l'Oba et Mirage qui devrait y avoir beaucoup de changements parce que c'est totalement unfair selon moi de mettre l'Oba et Mirage aux côtés de Newcastle, JB et Laughline. Genre ça a rien à voir, à la limite l'Oba, bon ça a une petite utilité mais voilà, mais bon voilà, ça c'est vraiment une petite parenthèse, peut-être j'en parlerai dans les TikTok et tout, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais selon moi, c'est stupide de pas buff des légendes comme Ballistique, mais vraiment des bons buffs. De peut-être remettre les anciennes smokes de Bang, de remettre l'ancienne phase de Race, de remettre Blue Dawn un petit peu avec les scans, etc. Qu'on les voit beaucoup plus longtemps, plus loin, qu'ils les scannent beaucoup plus rapidement. Blue Dawn d'un jour. Alors, Sire, mis à part l'ultimate, c'était totalement n'importe quoi, mais qu'ils remettent Sire vraiment au goût du jour, mais juste l'ultimate faut en changeant un petit truc. Mais globalement, qui rendent les légendes toutes vraiment fortes. En fait, c'est soit tu rends toutes les légendes vraiment fortes, soit vraiment nulles. Et bah, du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on va toujours voir un petit peu ce même type de méta. En fait, même crypto, j'ai envie de vous dire, là, on le touche pas. Crypto est très fort. Moi, ça me saoule hein, de faire des cryptos et tout. Hein. Mais c'est très bien. Man Maggie est très fort. Selon moi, faudrait changer son ultimate. Mais c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est illogique de hard buff comme ça et de laisser des légendes vraiment sur le côté et en plus de ça des légendes qui plaisent, genre comme par exemple Royce qui est vraiment entre guillemets la légende phare d'Apex Legends. Donc non, ce buff n'est pas nul, genre c'est une bonne chose pour Apex, ça donne un renouveau, mais en vrai s'il ferait ça sur toutes les légendes, sur tous les caractères et qu'on rend tout le monde fort, bah selon moi ce serait bien mieux et il y aurait encore plus de stratégies à mettre en place avec des nouvelles perks, des trucs comme ça, et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant pour les anciens joueurs et pour les nouveaux joueurs. Et du coup, est-ce que cette saison 23 d'Apex, avec le Karambit, avec le nouvel méta, la ranked, etc., est-ce que ça va relancer le jeu, les frères? Eh bien, écoutez, je ne pense malheureusement pas du tout. C'est-à-dire que même si le jeu est bien, même s'ils font voilà les bonnes choses, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour peut-être comprendre un petit peu mieux ce que je vais dire là, mais en fait, c'est pas assez. Le problème, c'est que Apex est un jeu qui date, c'est pas un jeu de 6 mois, c'est pas un jeu d'un an. C'est un jeu qui date, et en fait, si vous voulez, alors la mentalité humaine, les humains, donc ouais, c'est les humains qui jouent Apex, hein, c'est pas des robots, mais les gens en ont eu marre, c'est-à-dire qu'il y a eu un ras-le-bol de plein de trucs. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, l'invasion de cheaters. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y en a, c'est chiant, parfois il y en a trop certains soirs, mais ça va beaucoup, 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 et je vais le redire encore une fois, beaucoup mieux. Et ça, personne ne le sait. Ça, les casus ne le savent pas. Et pourquoi? Parce que personne ne vous le dit. J'ai dit dans mon ancienne vidéo, bref. Et le problème, c'est que même si le jeu va se porter beaucoup mieux en termes de cheater, en termes de ranked, alors que c'est pas forcément le cas, mais enfin, pour la ranked, je parle. Mais bref, le jeu, il aura beau se porter mieux, en fait, ça fera jamais de bruit et les gens en ont marre en règle générale. Quand quelqu'un a marre de quelque chose, il peut être de... enfin, en général, les gens vont être de mauvaise foi. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, même si pas moi ou quelqu'un peut te hype auprès d'Apex, ça va te dire, ouais, de toute façon, moi, ça m'a saoulé, bref, peu importe. Bref, les gens, dans tous les cas, on a un gros ras-le-bol général du jeu. Et du coup,
les problèmes majeurs, ils auront beau être réglés, ou du moins ne serait-ce que partiellement réglés, ça va vraiment pas trop changer. Et je pense que, voilà, donc on sort peut-être un petit peu du sujet, mais si on veut que Apex soit vraiment relancé, c'est-à-dire que ça revient à un prime, hein, peut-être un 80 000 viewers sur Twitch, comme Valo et tout, ça va être toujours pareil, la compétition, mais, donc vraiment de gros événements compétitifs, voilà, avec beaucoup d'argent, etc., pour vraiment faire parler, mais également un gros renouveau du jeu, c'est-à-dire pas par exemple un Apex 2, quand je dis un gros renouveau du jeu, ça peut être, pour les casus, hein, surtout, hein. Enfin, casu slash créateur de contenu, enfin bref, pour tout le monde. Mais ça peut être un mode créatif à la Fortnite, ça peut être un mode zombie, vraiment avec du PVE, vraiment bien, avec des secrets, que ça soit à la fois fun, qu'il y ait des modes vraiment compliqués que peu de gens peuvent faire, qu'il y ait du challenge, qu'il y ait des trucs à débloquer. Enfin, vraiment un gros changement majeur, genre c'est plus le même jeu. Enfin, il faut vraiment un gros changement dans tous les cas. Si on veut que Apex revienne au goût du jour. Et malheureusement, là pour le coup je ne pense pas que ça va arriver. Je pense qu'ils s'en fichent. Ça après c'est mon avis, peut-être je me trompe. Mais selon moi, dans la théorie des choses, bref je sais pas si c'est français, mais il faut un gros renouveau. Et je ne pense pas qu'Apex soit prêt dans tous les cas à faire un gros renouveau, même s'il me règle partiellement la rank, les problèmes de shooter, etc. Donc voilà les frères, hein, ça, j'ai pas d'autres choses à dire. Je vous laisse me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez pour débattre, mais dites des choses intéressantes, hein. Dites pas comme dans parfois sous mes vidéos des commentaires un peu n'importe quoi ou juste c'est full insulte ou full trash. Donc voilà les frères, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis si la vidéo vous a plu, et puis ce serait super cool. Sur ce, je vous fais la bise les refs.